Bien, alors donc nous allons faire le combat. J'ai une petite garnison qui ne vaut pas grand-chose. Alors eux, là, c'est carrément inexistant. Je peux compter à peu près que sur cette flotte, contre la grande flotte ici. Mais qui est surtout composée des Miolia. Il y a une quinquérène d'artillerie légère et moins. C'est une onagre, ça doit être lourd, je pense. Il y a Quintus Pulvillus, l'amiral à 160, je n'ai que 84, donc bon, ça va être très difficile. Alors, en plus, les légions, c'est pareil, elles sont très amoindries. Bon, les légionnaires sont très amoindris. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les empêcher d'aborder et de les battre sur mer. Je vais essayer parce que nous, on peut éperonner, eux, ils ne le peuvent pas. Ils peuvent que me tirer dessus avec des levesses qui ne peuvent pas non plus, je pense. Faire enflammés. Alors on va essayer de faire une bataille navale, les empêcher d'accoster, parce que vu la garnison que j'ai, s'ils accostent, je vais être très très ça va être très très dur pour moi de les repousser, je pense. Mais ça, c'est aussi le problème des batailles automatiques. Il m'a détruit exprès tout ce qui était assez fort. Quand j'ai pris Bossim sans prendre la ville. Ou ah non, maintenant bah si, je l'ai prise en. Non, je dis n'importe quoi. Je l'ai prise en faisant une bataille. Donc je me suis mal. Alors, où c'est qu'ils sont? Ben voilà, ils sont carrément à l'opposé de nous. C'est fait exprès, c'est pour qu'ils puissent avoir le temps de débarquer. Alors, nous, on va essayer de les en empêcher. On va se mettre. On va mettre notre flotte, bien sûr, ici. Voilà, comme ça. En forme de croissant de lune. Et on va commencer. Alors je dis à mes deux artilleries de tirer sur Quintus Pulvillus. Tous les autres, ben, ils vont se dépêcher. Alors on va essayer quand même. On voit qu'ils se dépêchent de. Eux, ils veulent aborder, bien sûr. Les onagres, allez. Alors, ça, ce sont mes navires qui, eux, vont tirer des flèches. Ah, ils peuvent pas tirer. Ah, il pleut. Même ça, je ne l'ai pas, les tirs enflammés. Alors, je vais mettre pause, hein, parce que quand il y a une bataille navale, eux, ils peuvent. Voilà, ils ont qu'un seul bateau. Bah non. Ça y est, ils m'ont déjà détruit un bateau, hein. Alors attends, moi normalement mes bateaux ils sont armés de d'éperons, hein. Il est quand même anormal que ils ne puissent pas les éperonner, hein. Voilà, allez. Les deux navires doivent tirer sur Quintus Pulvillus, voilà. Non, qu'est-ce qu'il fait, lui, con. Allez, coulez-les un peu. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? C'est un petit peu n'importe quoi, hein. Je dis. Puissance
aux ordres. Ordre bien compris. Préparez à l'attaque. Il faut les couler, hein. À votre commandement, navire de soutien. À recevoir vos ordres. Voilà. Oh, il se laisse couler, l'idiot. Voilà. Allez-y. On dirait qu'ils le font exprès. Voilà, c'est bon. Ah non, c'est lui qui m'a coulé. Oh non, c'est pas normal ça. Un Emiolia, ça peut pas te couler un Quinquérem. Allez, aborde-le, toi. Victoire, voilà. Je termine la bataille. Voilà, on a gagné. Bon, ça a été une bataille qui était difficile, mais pas normale. Hein. Je crois pas que les Emiolia pouvaient me couler mon... me harponner. C'est pas normal. Donc. Il y a des choses bizarres. Hein. Alors, j'ai bien sûr, j'ai perdu tous mes bateaux. Évidemment. Mais on a coulé pratiquement toute la flotte ennemie. Même le général ennemi est mort. Il me reste juste un légionnaire, un vélite, mes deux artilleries, plus mon général. Là, mon armée est intacte. Ah, et j'ai perdu un... Comment ça s'appelle ? Un Emiolia. Voilà. Donc je relâche les captifs. Il se réfugie à Saguntum. Bon, cette bataille navale n'était pas extraordinaire, mais c'est pas facile, hein, une bataille navale. Hein. Les Parthes se promènent un peu partout, je sais pas ce qu'ils font. Les Roxoulan attaquent, ils sont attaqués. Ils attaquent, je sais pas, Paraden, voilà. Coxeia Pulla a été aperçu. Ah, il faut que nous recrutions. Nous avons 6 tours pour. Non, 3 tours pour le faire. Et on aura une autorité indiscutable. Pendant 6 tours, un dignitaire. Bon. L'entourage grandit. Marc-Antoine, garde prétorien, à la place de Bourreau. Non, on le met en liste d'attente. Les rapports militaires, la partie K a enrôlé des troupes. Voilà. Bon. Les Parthes se dirigent vers Atra. Donc on va maintenant les cueillir. Puisque mon armée, la Légion de partie K, est correcte. Voilà. Votre prochain ordre ?
bien au secours des Parthes. Alors, à Ibosim, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Ibosim, peut-être que c'est le nom carthaginois de la ville. Parce que, en latin, là, ou carthaginois, ou alors hispanique, parce que les latins l'appelaient Ebusus, Ebusus. On le voit dans le livre de Pline, Histoire naturelle, de Pline l'Ancien. La ville s'appelle Ebusus, et qui a donné Ibiza. Ibiza. Voilà. Et en grec, c'est Pitiosim, Pitiosae. Pitiosae, c'est la ville des serpents. L'île des serpents, voilà. Bien, alors, on peut construire à Ibosim. Eh bien, on va construire un camp militaire. Puisque il va falloir qu'on tienne avec le peu de troupes qu'on a. Et puis on peut recruter que des Emolia. Bon, on va le faire quand même. Il va nous falloir une flotte plus grande. Voilà. On va recruter des Emolia. Bon, c'est pas extraordinaire, mais ce sera toujours ça. Alors il y a la légion 4 Gemina monte vers l'Espagne. Ah oui, alors regardons voir où est-ce qu'on en est. Donc les Lépides viennent prendre Bordeaux, Burdigala. Et ils ont perdu donc Ibosim. Et nous sommes là maintenant en train d'attaquer Pompée en Italie. Ici j'ai envoyé ma légion protégée. Enfin, oulala, ah oui, il y a quand même pas mal d'armées. J'avais pas vu ça. Je regarde pas tout. J'avais cru que c'était des alliés, peut-être. Attends, ça c'est quoi? Ah oui, d'accord. Là, il y a des Parthes. Là aussi. Mais là, c'est quoi? Des Characènes. Ce sont des ennemis également. Ah, d'accord. Ok. Bon, alors, revenons maintenant en Italie. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Voilà. On va se mettre en Italie. Alors. Ici, il y a donc Pompée lui-même, qui est protégé par son armée, par Cosentia. Ils viennent de perdre Beneventum. Je vais regarder s'il n'y a pas une autre armée pompéienne par là, ou si Octave l'a vaincu. Écoute, je n'en vois pas. Licinius Silanus va se cantonner. Voilà, il fait un camp. Alors que, bien sûr, pour essayer d'inciter Pompée à revenir vers la Sicile, nous, on va, avec la légion cyrénaïque, Lucius va attaquer Agrigentum. Bon, c'est pas la peine de faire la bataille. Donc on va la faire en auto-résolution et on va faire en mode agressif. Donc nous occupons Agrigentum et Lucius Antonius gagne encore il va gagner en ruse. 2 de ruse et 2 de gravitas par tour. Ou alors, il va prendre moins de résistance de l'ennemi assiégé. Bah, c'est bien ça. Plus de résistance au siège. Ah bah oui, on va faire ça. Alors, Agrigentum n'est pas abîmé. Sa légion est correcte, est encore bonne. Ici, il n'y a pas de grosse légion. Hein. Il y en a une, voilà. Antico, attention, il y a un espion. Alors... ici, et je vais amener la légion 7, Martia, à Carthago.
Alors, puisque maintenant nous avons commencé le plan d'attaquer l'Italie, je vais envoyer ma flotte de Gortina pour aider donc dans la bataille, pour faire la conquête de la Sicile. Donc, il a quitté Gortina. Oh là, j'ai tout ce qu'il a comme. J'avais pas pensé qu'il avait si peu de bateaux. Ah oui, alors non, c'est pas la peine. Il faudra donc penser à améliorer la flotte ici. Donc, ici l'armée aussi est pas complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai plus d'argent. Donc je pense que hop ah en Sicile, oui bah c'est normal, on y arrive. Voilà, les provinces sont quand même bien gérées. Et nos forces. Alors Iunia Salinatrix. Elle va un petit peu voir ce qui se passe par ici. Et vers Nova Carthago. Voilà. Coquea Pulla, elle reste là, près de Ctésiphon. J'ai pas de promotion. Non. Apparemment. Bon, et ben on va terminer le tour. Terminer le tour. Alors ça, maintenant la question de pour Pompée, ça va être soit d'attaquer la Légion en Italie, ou soit de revenir essayer de sauver en Sicile. Hein, et dans ce cas-là, il me laisse Cosentia. Et je mets un pied en Italie. Bon, j'en ai déjà un en Sicile, mais ce serait mieux d'en avoir un aussi en Italie. Apparemment, il a pas joué, il a rien joué Pompée, de ce que j'attendais. Alors, les Galates. Ils voudraient. Je serais ravi de la recevoir de votre main. Oh, Cappadoce, je vais pas les attaquer. C'est pas le moment. Il se passe des conflits un peu partout. Documentation légale a été terminée. Le vétéran prend le rang 5. Allez bon, il va devenir un super. Vous voyez, déjà le général, il a une unité de rang 4. Elle est de rang 4. Hein, on voit ici l'expérience, voilà, niveau 4. Et ça, c'est grâce au vétéran qui améliore peu à peu les expériences de mes troupes. Alors, justement, il s'améliore encore, lui aussi. Alors, il va améliorer quoi? Patrouille d'assaut, milice d'assaut. Ah. Hop. Après, c'est quoi? Zèle, manipulation, assassinat, ruse, autorité. On va prendre ça. Bravo. Voilà. Alors, guerre déclarée entre le pont et Horde des Steppes. J'ai un surplus de population en Grèce. Construction terminée à Ibosim. Trait obtenu. Le général, donc Decimus Petilius, a procrastinateur. C'est celui qui est à Carthage. D'ailleurs, je vais le mettre en vitesse normale. L'entourage grandit. De Marcus Antonius, je mets en liste d'attente là aussi, et rapport naval. Voilà, donc apparemment, ici, donc il y a une armée, une flotte de Pompée. Ah, oui, alors moi je vais m'occuper incessamment et même en urgence de ma flotte à Gortina.
lever des unités correctes. Rassemblement de la flotte. Voilà. Qui permettent comme à cette flotte de faire quelque chose. Donc ici, je n'ai pas... Ah ! Que s'est-il passé ? Mon espionne, où est-elle ? Là. En quoi puis-je vous aider ? Dis-moi s'il y a encore ici... Ah, il est là. Et il s'est mis aussi dans un camp. Mais il n'est plus protégé par... Enfin, je sais pas. Si on l'attaque, on verra. Et puis, ici, on va attaquer. On va continuer, hein. On va pas les blesser. Nous avons faim de bataille. On va attaquer Panormus. Qui n'est pas protégé. Voilà, et là pareil, on fait la bataille en auto-résolution. De façon agressive, voilà, on tue la garnison de la ville que l'on occupe. Et la légion prend un rang numéro 3. Nous avons faim de bataille. Donc elle prend le rang 3, c'est-à-dire qu'elle va devenir, oh là là, redoutable combattant. Voilà. Bien. Moins 5 plus 4, donc on fait moins 1. Mais bon, c'est normal, hein, chaque bataille. Mais là, on a un champ de Mars, donc l'armée pourra recruter des troupes de qualité moyenne. Et on va peut-être à Agrigentum. Non, on verra après. Bon, alors là, donc, on a pris Panorme, Agrigentum, en Sicile. Et nous allons arrêter le film ici. À 22 minutes. Et j'espère qu'il vous a plu.